Alors pour une fois, on ne va pas voir ma tête, du coup certaines personnes seront très heureuses. Mais voilà, je vais faire le retour de deux livres que j'ai lus donc la première semaine de novembre. Celui-ci, je l'avais commencé fin août, mais je ne l'avais pas fini, donc je voulais absolument le finir. Donc c'est un récit qui est un récit hommage aux hommes discrets, héroïques, fait par donc Apsley Sherry Garrard, qui avait 24 ans en 1910 quand il est parti avec Sir Robert Falcon Scott dans une expédition dans l'Antarctique, donc c'est marqué sur le titre, qui était en gros fait pour récupérer un ou deux œufs de Manchuro empereur. Et bah, le voyage a véritablement tourné au drame à plusieurs reprises, pour plusieurs choses très différentes. Et en fait, ce jeune homme va reporter ses carnets de voyage, ce qui s'est passé, du meilleur, en fait, du plus beau qu'il ait vu, puisqu'il a vu l'Antarctique jusqu'au pire. Et il explique toute l'humilité et toute la grandeur de ces hommes qui sont partis au début du 20e siècle devant cette nature grandiose où il y avait, je rappelle, ni internet ni téléphone pour appeler les secours. Et ce jeune homme, qui est quand même un jeune homme passionné, assez fougueux aussi, parce que partir sans expérience en Antarctique, il faut quand même le faire. Mais voilà, c'est vraiment un récit d'aventure. C'est un livre facile à lire. Il y a beaucoup de, enfin beaucoup non, il y a quelques photos, des vieilles photos qui montrent les paysages, qui montrent les hommes qui ont subi ça. Il y a des plans, il y a des cartes qui bien sûr laissent une trace, alors non seulement au lecteur mais aussi dans l'histoire. Honnêtement, si vous aimez les aventuriers, si vous aimez les récits de voyage, si vous aimez l'Antarctique, les pôles, etc., jetez-vous sur ce livre. Je vais essayer de vous montrer quelques photos, si j'arrive à trouver. Il y a une très jolie... petit manchot. Il y a des tarés, des manchots, hein, on est bien d'accord. Voilà, mais vous avez des photos, si j'arrive à ouvrir la bonne page, parce que vous savez... c'est pas très très facile quand on n'a qu'un doigt. Bougez pas, désolé. Je fais ce que je peux. Hein. Voilà, donc il y a des dessins, il y a des illustrations aussi qui ont été faites. Voilà, vous avez la liste des chargements voyage pour 3 hommes qui est calculée selon un protocole. Voilà, vous avez des photos. Il y a des dessins, il y a des photos, il y a même des photos. Voilà, celles que je cherchais, de ce jeune homme qui a fait le rapport et qui était là donc avec son poney. En Antarctique. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Le pire voyage au monde, Antarctique 1910-1913 de Apsley Sherry Garrard, et c'est chez les éditions Paulsen. Alors ceci, c'est une lecture pour la première semaine du Black November, donc dans la semaine où il fallait lire un livre, un roman avec frissonnant, un peu inquiétant, etc. Moi, j'avais choisi, comme une dinde, le troisième volet de la trilogie de Dan Wells qui s'appelle Nobody. Évidemment, hein, Lisa, toujours à la pointe de l'actualité. Non, en fait, j'avais repéré le résumé et je voulais lire celui-là. Et je me suis notée sur mes tablettes les deux autres parce que j'ai bien aimé. Donc en fait, on est en présence de John Wayne, oui, faut le savoir, John Wayne Cleaver, qui est un jeune ado qui a à peu près 16 ans, qui est un sociopathe en puissance, qui sait qu'il veut tuer les gens. En fait, en gros, c'est un Dexter ado, si vous voulez. Et pour éviter lui-même de tuer, y compris des pensées qu'il a d'éviscérer sa petite copine, il dégonne du démon. Et il a, il a réussi à attirer un démon dans la ville, dans la bourgade où il vit, qui est le trou du cul du monde, en gros, et qui dégomme des gens. Donc, ce démon, il tue, il coupe, et il s'amuse beaucoup. Et John Cleaver va le traquer à l'aide d'une voisine. Et comme sa mère est thanatopractrice, ça aide beaucoup parce qu'il l'aide. Et il se rend compte des blessures que ce démon
inflige à ses victimes, donc il peut continuer sa petite quête. Alors, comme je vous le disais, c'est un troisième tome d'une trilogie. C'est enlevé, c'est drôle, c'est noir, il y a des soucis d'ado, hein, puisque c'est quand même des ados qui sont là. Alors, il y a les adultes, hein, bien sûr, mais c'est quand même lui le principal personnage. Ça se passe dans une bourgade un peu paumée. Lui, c'est un sociopathe qui va tomber amoureux. Alors, je vous dis pas le bordel, déjà. Mais bon, voilà, comme personne n'est parfait, ça fait le job. Côté frissonnant, je peux vous assurer. Si vous avez un peu la troutrouille, enfin, c'était pas trop, comment dire, téméraire. Ne lisez pas ça seul la nuit dans une maison qui craque, hein, sinon vous allez vous foutre les jetons. Moi perso, non, mais je me suis dit qu'il y avait certaines personnes qui ne le liraient pas. Il y a de l'humour, c'est noir. Perso, j'ai bien aimé. Et je vous dis, j'ai noté les deux autres. Donc franchement, je vais lire les deux autres. Voilà. J'ai gardé mon signet à l'intérieur parce que j'aime bien les pompons. Voilà. Donc les deux autres, c'est Je ne suis pas un serial killer et Mr. Monster. Donc n'hésitez pas. Dites-moi si vous l'avez lu ou pas. Et puis prochainement, la deuxième lecture. Mais la deuxième lecture se fera de visu. La tronche de Lisa directement sur la caméra. Mais c'est quand même marrant de faire ça pour faire un genre de petit vlog, quoi. Vu que je suis nulle en vlog, je devrais m'abstenir. Salut! Petit retour sur The Black November, semaine 2, donc qui était un roman, un thriller, machin, qui avait plus de 10 ans. Donc moi j'avais choisi Seven, donc qui est basé sur le scénario de Andrew Kevin Walker, et donc là c'est Anthony Bruno qui l'a, on va dire, romancé. Alors, je sais, je suis une fan de Seven, j'adore le film, je pense que ceux qui me suivent le savent. C'est réalisé par un de mes réalisateurs préférés qui est David Fincher. Avec un de mes acteurs préférés, non, ce n'est pas Brad ni Morgan Freeman. Et que je connais pratiquement par cœur le film. C'est vrai que c'est un fait que j'ai toujours été fascinée par le scénario de Andrew Kevin Walker, parce que j'aurais adoré écrire un tel projet. Mais c'est une adaptation sous forme de roman avec des détails très visuels quand même, enfin scénaristiques quoi, merci au métronome qu'on voit bien, et qui a un peu plus de chair, si je peux m'exprimer ainsi. Bref, alors bien sûr, il n'y a aucune surprise pour des gens comme moi, mais j'ai adoré ma lecture parce que ça m'a donné envie, un, de revoir le film, pour la énième fois. Et puis si vous ne connaissez pas, ce qui me semble assez aberrant, mais si vous ne connaissez pas, Seven, ça peut vous... Et que le cinéma n'est pas votre cam, en gros. Ça peut vous donner envie de vous plonger dans un univers de luxure, d'envie, de colère, de... Enfin, bref, quoi. Et puis, vous offrir de bons moments de fiction et de réflexion aussi. Alors, bon, il y a juste un twist à la fin. Mais vraiment à la fin, d'une phrase que prononce Somerset peut-être dans le scénar, j'en sais rien, mais qui est différente de ce qui est dans le film et qui était plus en adéquation avec ce que moi, je rêvais qu'ils disent. On est bien d'accord. Voilà, donc sinon, j'aime le film, le livre, le scénario, bref, tout. Je vous recommande quand même, quand vous lisez, de ne pas manger en même temps. Un conseil d'amis? Hein? Un petit conseil d'amis. Gentil, c'est gratos, hein. Donc, deuxième semaine de The Black November, c'était donc Seven. Voilà pour l'autre livre qu'il fallait lire pour le Black November. Cette fois-ci, c'était la semaine donc 3, qui était un duo d'enquêteurs. Donc, j'ai décidé d'en lire deux. Le premier, c'est donc Les Fils d'Odin de
Harald Gilbert chez 10-18. C'est le deuxième tome de la saga du commissaire Oppenheimer. En fait, le premier, c'était Germania, que j'ai lu et dont j'ai parlé sur la chaîne. Donc là, on est au début de l'année 1945, évidemment à Berlin, mais le livre s'ouvre en fait un peu sur style la débandade, hein, sauf qu'il peut tout sous abri, et s'ouvre en fait sur un certain Heinrich Hauser, qui est un médecin qui pratique des expériences sur les prisonniers des camps, qui s'enfuit et qui essaye de partir, de fuir de l'Allemagne, parce que bah, lui, il sent hein, que ça tourne assez mal, et qu'il va se retrouver dans une situation très difficile. Donc il part à Berlin, enfin il essaye d'aller à Berlin pour retrouver sa femme, qui peut peut-être l'aider à fuir l'Allemagne. Et nous, on suit cet homme qui arrive, et qui atterrit chez Hilde, que nous connaissons, puisque c'est l'ami de Oppenheimer, qui est hostile au régime, qui vient d'une haute extraction et qui est très surprise de voir son ex, qu'elle n'avait pas vu depuis un moment. Et en fait, on va retrouver son ex mort d'une façon assez, on va dire, quick-quick, hein, enfin, on lui manque des trucs. Et on va accuser Hilde d'avoir tué son mari. Elle va se retrouver arrêtée par la Gestapo, enfermée et interrogée. Jamais très agréable d'être interrogée par la Gestapo. Et donc Oppenheimer va, qui se cache lui sous une fausse identité, puisqu'il est censé être mort depuis le premier tome, enfin la fin du premier tome, il voit avec sa femme Lisa de temps en temps, juste comme deux inconnus, mais il se cache dans les cinémas, dans les salles noires, obscures, pour pouvoir se voir et se toucher, etc. Parce qu'ils sont toujours amoureux, hein, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, lui, il se cache sous une fausse identité qui est assez drôle, d'ailleurs, qui lui vaut quelques petits sarcasmes et interrogations aussi, ça ne m'étonne pas. Et en fait, il va se mêler à certaines personnes qui sont fidèles à Hilde pour essayer de la sortir de là, notamment un avocat, etc. Mais voilà, la période du début de l'année 45 était assez compliquée pour Berlin, qui se faisait arroser de bombes systématiquement. En plus, sa femme va partir à Potsdam, qui est une ville tranquille, mais qui n'a pas été très tranquille après. Et en fait, on va les suivre sur la enquête tout le long, comme ça, ils vont enquêter pour essayer de sortir, de trouver des zones d'ombre que visiblement ils deux cachent. Moi, j'ai beaucoup aimé encore ce deuxième tome, c'est hyper bien documenté, c'est bien écrit, c'est facile à lire, c'est pas compliqué. Franchement, vous n'avez pas besoin de sortir de Universalis et de l'Allemagne sous le régime du Troisième Reich pour savoir ce qui s'en passe, parce qu'il est toujours pointu, c'est-à-dire, voilà, il explique en plus qu'il donne, et puis je vous dis, ça se lit facilement, on se retrouve avec sous les bombardements, dans les abris, on se retrouve dans la vie de tous les jours où chacun cherche quelque chose à bouffer parce que ben, y a presque plus rien du tout à Berlin, entre les bombes qui leur tombent sur la gueule, plus rien à bouffer, la peur parce qu'il y a toujours les jeunesses hitlériennes, les fanatiques qui restent là, qui sont tapis dans le coin à droite et qui essayent de dégommer tous ceux qui éventuellement pourraient penser à un traité de paix quelque part. Voilà, c'est vraiment une enquête, on va dire, dans les méandres nauséabonds d'un fin de règne. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vais la continuer, je continue la saga l'année prochaine. Franchement, c'est une très bonne facture. Si vous avez aimé Philippe Kerr pour avant la guerre, là vous aimerez après, sachant qu'en plus ça se situe un peu juste avant la trilogie hambourgeoise, donc... Vous voyez ce que vous pouvez faire une progression comme ça. Mais franchement, c'est une très belle découverte que Harald Gilbert, dont j'avais lu Germania en lecture commune avec Virginie de la chaîne Totally Brune. Mais ça, le deuxième tome, c'est toujours excellent. Et donc, je me régale. Prochain, qu'est-ce que je veux lire? Ah, j'ai commencé le deuxième duo d'enquêteurs, c'est Frank Tallis avec Les mensonges de l'esprit. Donc, c'est les enquêtes de Max Liebermann. Oui, ah bah, oui, je sais. Posez plus de questions. Trop compliqué. Nous voilà dans la troisième semaine, et toujours la semaine où on doit lire des duos d'enquêteurs. Alors moi j'ai choisi, après Les Fils d'Odin de Harald Gilbert, de lire le troisième tome des aventures et des enquêtes de Max Liebermann de Frank Tallis, donc cette fois-ci Les mensonges de l'esprit.
Alors, oui, j'ai un faible pour Max Liebermann. Et alors, hein, je vais vous dire, alors, l'écriture de Thalys et le contexte historique, je rappelle, viennent le début du XXe. Là, on est en 1903, sont pour moi vraiment un atout majeur de cette saga. Les encarts ne sont jamais linéaires, les rebondissements sont toujours bien écrits, les à-côtés personnels des protagonistes se mêlent toujours, fort à propos d'ailleurs, aux éléments développés dans l'intrigue. C'est très très bien emmêlé et démêlé, on va dire. Alors pour ce troisième volet, Reinhardt et Liebermann, donc Oscar Reinhardt et Max Liebermann, sont confrontés à un meurtre dans une école militaire de haut rang, et malgré les causes naturelles, les deux amis ont quand même un petit pressentiment et des bruits courent sur des exactions. Alors, outre l'enquête pure, hein, toujours comme je vous l'ai dit, intéressante, envoûtante, un peu emmêlée et démêlée par les deux autres, bah, il y a surtout le contexte de Vienne, de cet endroit palpitant de l'époque, les cafés, les parcs, les mets délicieux, ceci. Le côté cosmopolite, la musique, les bals et cette Vienne qui sent un peu la montée du fascisme par moment. Alors c'est un bonheur de lecture, honnêtement, notamment dans un des chapitres qui voit l'échange entre Max Liebermann et le docteur Freud. Si, ça, c'est vraiment, alors, hein, vous y en tombez sur les fesses, j'adore. Ensuite, la vie de Max Liebermann, la vie amoureuse est un peu mouvementée. Bah, en fait, en gros, il est un peu dans le côté ratage d'occasion, hein. Et il fait partie un peu quelquefois de ce côté, il a un petit côté midinette que j'aime bien, alors j'adore honnêtement, d'autant qu'en plus il est très bon pour analyser les états d'âme des autres, mais alors quand ça lui concerne, eh ben, c'est un peu plus compliqué, hein, il voit pas trop les signaux lui. Bref, la plume de Franck Thalys est intelligente, agréable, percutante, ironique, parfois légère comme certaines pâtisseries viennoises. Si, je vous assure, ça peut être léger. Allez, bref, vivement le prochain tome, donc c'était Franck Thalys, Les mensonges de l'esprit, une enquête de Max Liebermann chez 10-18. C'était donc le troisième tome lu pour cette semaine où il fallait lire des duos d'enquêteurs. Vivement la semaine prochaine! Oui, parce qu'il y a Moéder et Jérôme Loubry au pressage. Bon, je dois avouer que pour Jérôme Loubry, j'ai un peu joué sur les mots, hein, et un peu trichouillé. Mais pour Moéder. Les lectures du Black November avec une BD que j'ai lue bah, au milieu du mois. Donc ça s'appelle Le Paris des merveilles. Et donc c'est le premier tome des Enchantements d'Ambremer, donc c'est le tome 1, Pével Willem, qui m'a été gentiment offert, bah parce que j'avais beaucoup aimé les trois tomes du Paris des Merveilles et j'avais beaucoup aimé la BD des Artilleuses. Alors voilà, je me suis régalée. Tous les matins au petit déjeuner, je me lisais deux planches. Voilà, non mais oui, bah, je fais ce que je peux déjà. Voilà, donc c'est un mystère, il y a quelque chose qui a été volé. Si vous connaissez les personnages, Isabelle et Griffon enquêtent chacun de leur côté sans savoir que l'autre enquête. Ils se croisent sans se croiser puisqu'il y a toujours quelque chose de magie. Je rappelle que c'est un Paris de la Belle Époque, mais on va dire avec des mages, avec des chats ailés. Bon, Azincourt, c'est ma came, hein, je vous le dis. C'est voilà. D'ailleurs, je regarde mon chat un peu bizarrement maintenant quand il se met sur le courrier. Peut-être qu'il lit. Pas sûr. Bref, il y a un peu tout ce que vous pouvez avoir vu dans le Paris des Merveilles, etc. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, vous avez loupé votre vie. Voilà. Donc, là, on est. Je vous montre la couverture, elle est très très jolie. Donc, en fait, on est dans. Ils vont dénicher un tricheur, en fait, qui se fait passer dans un club de jeu pour un très grand joueur. Mais en fait, il utilise de la magie, il y a quelque chose qui est volé. Alors, elle essaye de récupérer quelque chose, mais. Voilà, il y a quelqu'un qui l'avait mandaté, qui est retrouvé tué. Voilà, donc il y a pas mal de petites intrigues sous intrigues, etc. Toujours avec ce Paris des merveilles magnifique. Donc oui, là nous avons Griffon. Donc voilà, c'est et à la fin nous avons une méchante, une reine. Faut pas dire qui c'est, non, sinon je voilà. Donc je me suis régalée. J'attendrai le tome 2 avec grande impatience. Merci beaucoup. Elle se reconnaîtra. Et puis, bah, écoutez, je vous laisse. Et puis, la prochaine petite intervention que je ferai, je ne sais pas si c'est de visu ou comme ça, comme j'ai fait jusqu'à présent, ça sera sûrement L'Homme du Soir de Moéder, parce que c'est le premier que je vais lire. Le deuxième de cette semaine, qui est donc de lire un thriller
avec une maison ou une habitation sur la couverture. Donc j'ai triché pour le deuxième, puisque c'est les refuges de Jérôme Loubry. Il n'y a pas du tout de maison. S'il y a un mur derrière, alors j'ai triché. Les refuges, ça peut être une maison. Il y a un mur. Moi, j'ai trichouillé. Par contre, Moéder, non, parce que l'homme du soir, il y a des immeubles d'habitation. Clairement, on le voit. Voilà, donc on verra bien. J'aime beaucoup Moéder. Jérôme Loubry, ce sera le premier que je lirai. Et puis, bah écoutez, hein, d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous tout de suite. Enfin, tout de suite, pour vous, hein, pas pour moi, bien sûr. Ah oui, bah, ça s'améliore. Eh bien, nous voici à la quatrième semaine. Alors, la quatrième semaine, c'était un thriller avec une couverture dont on peut apercevoir une maison. Alors, maison, appartement, etc. Alors, je dois avouer que j'ai un peu triché sur Moéder, puisqu'on voit plutôt des immeubles, hein. Mais bon, voilà, c'est un peu comme ça. Et j'avais prévu aussi les refuges de Jérôme Loubry. Alors, autant vous dire que la semaine a été très, 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 très mouvementée et que je n'ai pas, malheureusement, pu faire et lire tout ce que je voulais. Donc, j'ai quand même fini Moéder, l'homme du soir, que vous voyez à l'écran. Donc, franchement, voilà, je suis très, très contente. Alors, je devais normalement apparaître hein, à l'écran. J'avais enregistré l'intervention et malheureusement au montage quand je l'ai publié sur YouTube je me suis aperçue que ma petite intro sur Moéder et mon retour sur Moéder eh bien avait été effacée, voilà, donc je réinsère ça, je suis vraiment désolée, c'est voilà, c'est quand même un point lecture assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Alors moi je lis les aventures de Jack Caffrey dans le désordre, hein, je sais. J'ai lu 4 romans de Moéder, dont le one-shot Sublime Tokyo. Et je reviens au tome 2, c'est-à-dire après l'excellent Birdman que j'ai lu en numéro 2, puisque j'avais lu Proie en premier. Oui, alors si vous arrivez à suivre, déjà je suis pas moi, alors bon, bref. Alors là, on retrouve Jack dans une enquête sur la disparition de Rory, qui a 9 ans. Et les enfants du coin affirment qu'un troll les observe, et que c'est sûrement lui d'ailleurs qui a enlevé le petit garçon. Alors que l'affaire évolue petit à petit, Jack essaie de se remettre des suites de l'affaire précédente, donc de Birdman, qui a été particulièrement difficile, et d'une disparition plus intime, celle de Ewan, son petit frère. Alors, entre sa vie bancale, son couple en balance, parce que bon, sa compagne a subi les affres de Birdman, l'absence d'Ewan, bien sûr, et surtout son obsession pour son voisin. D'ailleurs, il est carrément sûr que c'est le meurtrier et un pédophile qui a enlevé son frère. Et Jack veut absolument, évidemment, retrouver Rory, quoi qu'il en coûte, pour lui ou pour les autres. Alors, entre événements actuels, ou passé d'ailleurs, on suit la progression des obsessions de Jack sur la quête de Rory et donc forcément de son frère en parallèle. Alors tout ça c'est grâce à la plume quand même fluide de Moéder et à la ligne directrice des romans qu'elle fait et de ce roman en particulier, parce que l'homme du soir va de rebondissement en étonnement, de surprise en moment un peu plus léger, voire quasiment teinté d'humour britannique. Alors, le duo avec sa commissaire, vraiment, est assez sympathique. C'est un peu une soupape de sécurité, parce que Moéder nous aiguille, nous déroute et nous plonge carrément hein, dans l'insoutenable et une galerie des horreurs. Voilà, il faut vraiment avoir un peu le cœur accroché. Alors, c'est quand même un peu moins captivant que Birdman, il faut être honnête. Hein. Mais bon, ça reste une très très bonne lecture. Et ça donne vraiment très envie de continuer, de suivre la trace de Jack et ses obsessions. Alors, cette fois-ci dans l'ordre, hein, Lisa, s'il te plaît, merci. Voilà, donc ça, c'était le retour sur Moéder. Alors, je dois avouer que, bon, voilà, je n'ai pas lu les refuges de Jérôme Loubry. Je pense que je le mettrai en début d'année prochaine, dans les 3 premiers mois, j'espère. Sinon, ben, écoutez, je ferai ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire je le garderai pour le prochain Black November. Hein, voilà. Oui, parce que ça m'arrive, je fais ça souvent, je garde pour le prochain Black November. Oui, bon, voilà, quand on est une dinde, on est une dinde. Sinon, ben, voilà, ça a été particulièrement mouvementé la semaine dernière. Enfin, la semaine de Moéder. Donc, bon, je suis obligée de dire la semaine dernière parce que je tourne après avoir tourné la petite incruste que vous voyez juste après, donc qui est pour Agatha Christie, puisque je me suis rendu compte après que mon truc avait été effacé.
Voilà, donc ça a été très particulier la quatrième semaine, très très compliqué. Donc moi, quand c'est comme ça et que j'ai beaucoup de choses à gérer, que j'ai beaucoup de choses dans la tête, je lis très peu. Et donc, bah, j'étais très contente de continuer à lire Moïder. Alors vous direz, bon, perso, c'est pas forcément la meilleure lecture pour se remonter le moral. Mais bon, pourquoi pas, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse avec bah, la prochain petit truc qui s'insère. Donc, c'est Agatha Christie que j'ai lu les 2 derniers jours. Sinon, bah, vous avez des prochaines vidéos. Vous avez forcément la pile à lire de décembre qui va arriver. Donc, vous, pour vous, dimanche 4. Il y aura un programme culturel, il y aura un point lecture histoire avec un seul livre d'histoire et surtout avec une petite explication du challenge, toute une histoire que je compte faire sur l'ensemble de l'année 2023. Et sinon, après les vlogmas, alors je vous le dis tout de suite, hein, ça va très très régulièrement. Un gros profil sur General Hux, hein, voilà. Je suis pas très douée, hein. Voilà, il y aura des tags, ça c'est sûr, je crois. Mais voilà, ça va me ça, je vous le dis tout de suite, si ça me donne trop de boulot au montage, parce que je déteste faire du montage, ça va vite se retrouver à être juste de la musique avec des photos, hein, parce que voilà, moi je sais pas du tout ma came, le montage, les trucs clichés, je vois des choses magnifiquement faites, et moi c'est pas mon truc. Honnêtement, voilà, perdre 8 heures pour monter une vidéo, c'est pas du tout mon cas. Donc j'ai un peu commencé à tâter pour voir comment monter parce que j'ai un vieux machin, un vieux coucou et j'essaye de faire ce que je peux. Je dois avouer que déjà au bout d'une demi-heure, ça me gonflait beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je sais pas comment on va faire, mais voilà, je vais les faire, je vais me débrouiller, puis on verra bien au rush ce que je pourrais garder ou pas garder. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse donc pour ce mot Eder et je vous donne rendez-vous bah, tout de suite avec Agatha Christie. Et puis encore désolé de cette encart. Bisous! Et donc c'est la dernière semaine du Black November, la semaine où il fallait, en hommage à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, lire un livre d'Agatha Christie. Ou, il y en a qui ont détourné, lire un Cozy Mystery. Mais moi, c'était ben, un Agatha Christie. Alors je dois avouer que c'est une relecture, parce que la dernière date sur cet ouvrage-là de 30 ans, environ, à peu près, pour vous dire. Voilà. Alors c'est la mystérieuse affaire de Styles de Agatha Christie. Alors, Hercule Poirot, c'est un petit bonhomme, un brin prétentieux ou pédant, hein, comme on le sent en fait, mais avec un cerveau brillant, brillant, et un sens inné de la déduction et de l'observation, et ça, moi j'adore. Alors, le duo avec Hastings dans ce livre-là est très sympathique parce que ce pauvre Hastings, bon, il carbure pas aussi vite que lui, et puis il paraît un brin limité face à Hercule Poirot. Alors, vous voyez tous les Poirots qui sont là. Moi, je crois qu'il m'en manque trois ou quatre. Voilà. Alors, la psychologie des personnages dans cette histoire-là, c'est une sombre histoire un peu de poison, est bien menée, les choses tapent, sont bien tournées. En fait, tout le monde peut être coupable et innocent au même moment, donc bah, c'est non négligeable, on va dire. Et puis bon, c'est du Agatha Christie, donc c'est toujours très enlevé. Et puis, il y a cette plongée aussi dans bah, l'aristocratie britannique avec ce savant malin mélange de pompeux et de fausse simplicité qui s'avère assez délicieux. Pour cela, écoutez Pomp and Circumstances, vous comprendrez un petit peu. Je dois avouer que donc il doit me rester, je vous dis, 3 ou 4 romans de Hercule Poirot à lire. Et que cette relecture que j'ai fait en lecture commune avec ma partenaire de lecture commune, donc merci beaucoup d'être avec moi. Bah cette lecture commune m'a redonné envie de finir à refaire la Poirotte. Enfin, Poirotte, pas boire, bien sûr. Hercule Poirot. Non, bah, ça va pas, non? Voilà, donc c'était la dernière partie de The Black November. Bah, voilà, ça sera le dernier message de Lisa sur cette vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et peut-être le Black November. Je vous souhaite bah, une bonne fin de novembre, puisque de toute façon, c'est le dernier jour où vous le verrez le 30. Moi, je l'ai fini le 29. Et puis, bah, attaque décembre. Donc, en décembre, bien, il y aura la pale de Lisa de la pile à lire de décembre qui arrivera dimanche, si je ne m'abuse. Et ensuite,
les vlogmas. Donc il y en aura un par semaine les mercredis. Va falloir que vous soyez indulgents, hein, parce que je n'en ai jamais fait de ma vie et je sens que je vais être ridicule. Je pense qu'il y aura beaucoup de Generalox pour les fans, hein, parce que quand je ne saurai pas quoi faire, je mettrai Generalox. Bon, il n'est pas toujours très amusant et très sympathique, hein, le général, mais en gros, quand il dort, il est sage. C'est une bonne idée. Et puis, il y aura le programme culturel aussi de décembre, puisqu'il y aura sûrement des choses, enfin, il y a des choses dont je veux vous parler, que j'ai vues, etc. Et il y aura un point histoire, et bon, j'ai lu qu'un livre d'histoire au trimestre dernier, ce qui est un peu léger, voire nul. Mais je vais vous parler du challenge Toute une histoire que j'avais organisé déjà l'année dernière. Je vais le relancer au mois de janvier, mais toute l'année. Donc je vais bien vous l'expliquer là et je ferai une petite vidéo de lancement. Alors il devait avoir une vidéo de lancement de mes deux ouvrages qui sortent en janvier. Je ne sais pas quand je vais la caser parce que pour l'instant il y a eu du retard. J'ai récupéré la couverture il y a très peu de temps, donc le temps de la faire imprimer, de faire un bon attiré pour vérifier que tout va bien, etc. L'envoi à la BNF. Je pense que ça arrivera dans un des vlogs. Voilà. Je pense que je vous montrerai les deux romans, les deux ouvrages dans un vlog. Et je ferai une vidéo dédiée qui sortira, je pense, le jour de la sortie, donc le 13 janvier. Voilà. C'est vraiment la première fois que je ne fais pas une vidéo bien avant. Mais je pense que je ferai peut-être un podcast. Que je signalerai pour que vous puissiez déjà en avoir une avant-première audio pour que vous sachiez pourquoi j'ai fait ça et comment je l'ai fait. Voilà, parce que c'est un peu particulier cette année, enfin l'année prochaine. Oh là 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 là. Oui, oh bah ça va pas mieux là, Lisa là. Il faut que t'arrêtes tout de suite. Allez, va chercher ton café. Ah bah tiens, regardez, j'ai fait un petit café sur I Love London. Bah oui, c'était pour rendre hommage à la reine. Évidemment. Voilà, allez, sur ce, bonne semaine et puis portez-vous bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez lu certains des ouvrages dont j'ai parlé, si votre Black November s'est bien passé, ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Et puis, ben, n'hésitez pas, venez faire un coucou à Lisa qui va faire le clown pour les Vlogmas. Ça va être une catastrophe, ça. Je sens venir que les Vlogmas vont être des Generalux sur des musiques de Noël. Ça va être drôle. Non, il y aura des tags. Il faut pas que je sois. Il faut que je sois honnête. Il y aura des tags. Il y aura un tag par Vlogmas. Je sais plus lesquels, mais j'en ai trouvé pas mal. J'ai trouvé des Vlogmas assez sympas. Il y a le Vlogmas que j'ai repéré sur la chaîne de la bibliothèque de Rose, des manies de lecteurs. Il y a celui du tag de personnages baroque sur les vampires, etc. Donc il y aura au moins une Lisa qui fera le clown. Voilà. Hux et le clown. Ah oh ben c'est bien, oh, je vais utiliser ça. Vlogmas 1, hein, Hux et le clown. Ciao. Oui, ben ça va, Hux, il vient me voir, je peux pas vous le montrer. Non, non, ce n'est pas possible.